Avec le concours de Loïc Lachaud qui nous a mis tout ça en image, avec beaucoup de talent, avec votre concours à vous sur le fossé 1, vous le savez, à la fin des matchs ou juste un peu avant, vous pouvez aller donner votre avis en notant tout simplement les joueurs sur 10. Et on fait une petite moyenne et ça donne ça. Voilà les amis, meilleur joueur ce soir, Pop Gay, tiens. Tiens donc. Ah bon? Non, mais son entrée est très bien. Elle est très bonne son entrée. Pourquoi pas? Elle est très très bonne son entrée. Pourquoi pas? On verra où on mettra les notes. Mais, oui, mais, on verra. Mais oui, on verra. Ah, ah ben non, il a modifié Loïc encore en temps. Voilà, je me disais aussi. Merci. C'est tout plus est bon. Cohérent. Ça me paraît cohérent. C'est plus, beaucoup plus cohérent. Ok, on y va, les amis. Tiens, on va commencer. Allez, puisque c'est moi, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le secteur offensif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne le fait jamais. Comme tu veux, je te suis. Quoi je qu'il propose. Ça, comme je pense que ça nous mettra le curseur pour la suite. Ouais, on va commencer, vrai, tiens, par. Ben oui, on commence souvent avec les défenseurs. J'ai envie ce soir, vu qu'on n'a pas marqué et que c'est peut-être là qu'on va trouver les plus grosses critiques, commencer par le trio offensif, tiens, et par celui dont on finit toujours les émissions, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Quelle est votre note, messieurs? Pour Aubameyang, j'étais entre le 4,5 et le 5, je pense que je vais rester à 5, parce que finalement, il a eu beaucoup de déchets. Mais les occasions qu'il arrive à créer ne sont pas non plus très simples à faire. Les Parisiens reviennent fort sur lui. Et Aubameyang, on ne peut pas le juger sur sa seule faculté à être décisif. Et son match de ce soir, je trouve moyen, mais pas décisif. Donc, je lui mets 5. Moi, j'étais sur 4. J'ai un autre analyse. J'étais sur 4, sur Aubameyang. Idriss l'a très justement dit en avant-match. On avait besoin pour gagner ce soir d'un très grand Aubameyang. Ça n'a pas été le cas. Alors, il n'a pas démérité non plus. Hein. C'est loin d'être le plus mauvais. Mais je trouve que globalement, il a pas pesé sur la rencontre. Il a un peu tergiversé une fois encore dans la surface, quand il est dans la surface. Mmh. Il y a des frappes qui doivent arriver plus vite. Alors, il cadre des frappes, mais c'est gentil quand même. Hein. Il peut mettre des mines un peu plus fortes. Quand il est à l'entrée de la surface, limite, je préfère que ça parte pas loin, un peu comme la frappe de Veretout, plutôt que là, les frappes au gardien ou Donnarumma, il la prend directement. Donc, ouais, pour moi, c'est. Celle du gauche est gênant, parce qu'il y a peut-être mieux à faire aussi. Voilà. Moi, pour moi, c'est. Il est dans les flops, Aubameyang, parce qu'il a pas réussi à remettre l'équipe. J'en attends plus, peut-être que si c'est un autre joueur, peut-être qu'il est à 4,5 ou 5, mais Aubameyang, pour moi, il est tellement peut-être. Important et il a tellement une importance que pour c'est moi. C'est recevable 4. Et c'est reçu. Merci, Jernic, merci, Idriss. Nous serons à 4,5, c'est la note de nos lecteurs, donc c'est très bien. Vous avez synthétisé un peu leurs pensées avec votre note. Illiman Ndjaye, qui a eu 60 minutes compliquées à mon sens, même s'il y avait de l'envie. Quel est ton avis, Jernic? Et ta note, bien sûr. Pour moi, le 3 est très juste. C'est exactement la note que j'ai mis à Ndjaye. Une fois encore, il y avait de l'envie, mais on a retrouvé le Ndjaye qui met pas les pieds où il faut, qui est pas à l'aise avec le ballon, alors qu'on sait qu'il est capable de le faire. Ce soir, j'ai pas un souvenir de quelque chose qu'il a réussi, en fait. Il a tout raté. Pourtant, il a vécu à Brentford, donc la pluie, il devrait connaître. Ouais. Ah ouais, il a tout raté. Il a une frappe en première mi-temps, là, au tout début, là, sur un corner, où il a le ballon dans les pieds, il contrôle, oui. il retouche la balle. Et on a l'impression qu'il n'arrive pas à supporter ça. Donc pour moi, Ndjaye, c'est le plus mauvais des offensifs ce soir. C'est pour ça que je le laisse à 3. Idriss. 3 pareil. 3 pareil. Est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter? J'ai pas envie de le descendre dans les 1, 2, dans ces abysses-là, parce que je trouve que ses déplacements et ses intentions sont très bonnes. C'est la réalisation qui a pêché. Donc 3 pour Illiman Ndjaye. Très bien, messieurs, pour votre synthèse. C'est le 3 de nos lecteurs également. Son remplaçant, Faris Moumbagna, tiens, puisqu'on y est. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très le bien. Le 4 de nos lecteurs. Non, je le sauve c'est des flops. C'est une note plutôt cohérente. Tu le sors des flops ? Je le sauve des flops parce que la seule vraie action qu'il a à gérer, c'est ce 1 contre 1 sur cette petite passe en l'air là, mais il est surpris par le rebond avec la pelouse humide et tout ça. Et la balle fuse du coup, et il arrive quand même à en sortir une frappe du pied gauche. Je trouve son entrée cohérente, je pense qu'il a gagné des points ce soir pour la suite de la saison. J'espère. Moi, je l'avais mis à 4, mais en écoutant Idriss, je suis prêt à le mettre à 4,5. Parce qu'il a quand même c'est aussi. C'est toi qui tranche, en fait, puisque nos lecteurs sont à 4. Il a quand même cette action où il essaye de rentrer en puissance. Il n'est pas à l'aise avec la balle entre la surface. Là, il y a Skriniar qui fait un jeu au sol assez beau pour le coup, défensivement. Je suis déçu. En fait, je suis surtout déçu de ne pas l'avoir vu au début du match parce que je suis convaincu que ça aurait été différent. Je pense que. Moumbagna à la place d'Ndiaye en première mi-temps, ça peut changer pas mal de choses, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que moi je le mets à 4,5.
Très bien, ce sera le 4,5 pour Faris. Moumbagna, finalement, il a un peu fait le même match qu'Aubameyang, hein, c'est-à-dire qu'on les a vus, mais il a manqué finalement la finition, l'occasion, etc. Enrique, qui est aussi à 4,5, vous validez ça, les amis? Tiens, ben Jernic, retourne-y. Bon, moi, Enrique, je l'avais mis à 4 aussi. Après, ben, y a le résultat qui rentre en compte. Hein. Il est fautif sur ce but où il y a égalisation, ça, c'est pas rien, ça enlève un but. Je pense qu'il peut se positionner mieux à ce moment-là. Maintenant, c'est pas le joueur catastrophique qu'on décrit, je trouve, en tout cas ce soir. Il fait beaucoup d'erreurs. Mais genre, c'est un de ses meilleurs matchs à l'OM. Hein. Voilà, mais je le mets pas dans la case des Unai Correa, par exemple, où c'est des mecs que j'ai pas envie de voir sur le terrain jusqu'à la fin de la saison. Enrique, alors c'était Paris, machin. Je pense que sur des équipes un peu plus faibles, il peut apporter certaines choses. Mais pour moi, c'est quand même flop ce soir. 4, il coûte le retour de l'OM ce soir. Je suis partagé, on en parlait tout à l'heure, entre le 4,5 et le 4. Je trouve son match très bien. Mais malheureusement, il y a ces deux actions décisives sur le but refusé et sur le deuxième but parisien, où bah, du coup, bah, ça fait un non-but pour l'OM et un but pour Paris, même si ce n'est pas l'unique motif sur le deuxième but. Avant de donner ta note, qu'est-ce qu'il peut faire sur cette action défensive? Parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il peut se jeter, essayer quelque chose. Essayer de revenir gêner, c'est tout. Là, ils sont dans un fauteuil. Les Parisiens sont dans un fauteuil. Il n'a même pas allé au contact, quoi. Non, il a rien fait, il a juste fait ce qu'il fallait pour qu'on lui reproche pas grand chose. Je n'arrive pas à comprendre. Mais comment on peut lui reprocher pas grand chose là-dessus? Non, mais il a fait ce qu'il fallait pour se dire, oh, ben ouais, moi je suis revenu un petit peu, mais bon. Il a fait semblant, quoi. Mais du coup, moi qui n'étais pas défenseur, qu'est-ce qu'il doit faire là sur cette action? Parce il doit cadrer, il doit emmener Gonzalo Ramos hors de la cage, lui fermer la cage. Lui jouer un peu, le gêner un peu, quoi. Ben oui, le gêner, quoi, le ralentir tout simplement. Là, il est tranquille, il peut enchaîner son contrôle frappe. Il faut juste le ralentir. Il peut même faire une faute en dehors de la surface et prendre un rouge. C'est pas interdit. Ouais. Interdit. Tu sais, ça me fait penser un peu à... Alors, c'est quand même différent comme situation, mais ça me fait penser un peu à Mandanda contre l'Inter en 8e de finale de Ligue des Champions, où il y a le but de Brandao et il y a un partout, il me semble. Et là, il prend le rouge pour éviter de prendre un but, pour gratter du temps, qui fait que là, s'il prend rouge, il y a toujours un 0. Et même si on est à 10... Sur un malentendu, tu peux prendre un point vu les occasions qu'on a eues, même à 10 contre 10. Cette action, elle symbolise aussi notre effectif de cette saison. Ils sont gentils. Bah après, c'est pas que de cette saison, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on dit ça. Bah, attends, l'OM de Sampaoli, l'OM de Tudor, ils étaient quand même un peu plus, tu vois, avec Kolasinac, avec Guendouzi. Un poil plus, je sais pas. Combien de fois l'an dernier, on a fait le troisième mi-temps à dire on n'a pas de leader, on n'a pas de méchant. Mais ce qui est sûr, c'est que on les a dit ces matchs. Tous les joueurs de caractère, en tout cas, depuis plusieurs années, sont éclipsés par Longoria. Après, on peut parler du niveau des mecs. Mais les mecs qui ont du caractère, les Payet, les Guendouzi, les Alvaro, par exemple. On peut toujours débattre du niveau, mais ces mecs-là sont effacés parce que, je sais pas, Longoria, il préfère peut-être pas avoir trop de problèmes avec certains. Donc ça, ça fait partie des choses. La note. Je sais pas. Je sais pas. Je suis vraiment entre le 4 et le 4,5. Je trouve le flop un peu dur parce que son match est pas mauvais. Mais vous savez quoi, on va faire un petit sondage. Pas. Je sais vraiment. On va faire un petit sondage sur Twitch pour faire participer aussi les copains qui sont avec nous depuis le début de la soirée. Juste, vous me dites, Enrique, flop, pas flop? Très simple, efficace. Si vous me dites pas flop, il aura 4,5. Si vous me dites flop, il aura 4. Voilà, c'est vous qui décidez sur le chat de Twitch. On y va, un petit sondage, flop, pas flop pour Enrique. On continue avec Harit, qui lui aussi est dans les flops à 3,5. Ah ben moi, Harit, pour moi, c'est le plus mauvais joueur du match ce soir. Pour moi, j'ai mis à 2,5. Il a tout raté. Je me suis déjà énervé tout à l'heure sur lui. Je vais le faire plus calmement. T'as pas le droit de rater la frappe que tu rates. Et même, il est de bonne volonté, c'est une fois encore. Mais il doit être beaucoup plus décisif que ça. Le hors-jeu sur le but, c'est lui qui fait la première frappe. Alors, bel arrêt de Donnarumma, hein, mais la frappe, elle est pas en lucarne non plus. Il peut s'appliquer une fois. Il peut travailler les tirs. Moi, je serai l'entraîneur à Rit. Mais tu ne joues plus, ne travailles plus ta technique, on sait, t'es pas trop mal techniquement. Et en plus, il a réussi maintenant, il lâche un peu plus vite le ballon. Mais alors la finition, tu nous bouffes la feuille. Pour moi, Henri, ce soir, c'est 2,5, je suis désolé. Est-ce qu'on serait pas dans une petite fixette? Non. Non, c'est une question, et tout le monde le dit. Pas personnellement. Non, mais tout le monde le dit dans le chat, mais
Je sais pas ce que tu en penses, Idriss, et je veux avoir ton avis, mais est-ce que dans le jeu ce soir, c'est pas notre meilleur joueur? Parce que moi, c'est mon avis en tout cas. Il a le mérite, pardon, de renverser vite, de jouer vite avec Veretout. Mais moi, je suis plus proche de Jernic. C'est que Aminarit qui fasse des décalages assez rapidement, pour moi, c'est le minimum syndical. J'en attends pas plus d'un joueur de Ligue 1 à ce poste-là à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que ça dans son match, quand même. Évidemment que non. Mais dès que je parle du dernier tiers, je te disais ce dernier geste. Jernic parlait du geste en trop, du crochet en trop, de la fin de frappe en trop, ou du fait de ne pas tenter du tout la frappe, alors que Henrique n'est pas flop à 82%. Mais vous faites un peu l'analyse de sa saison, là. Non, je ne te parle que de ce match-là. Je te parle que de ce match-là. Ce soir, à part la frappe dont tu parles, Jernic, je vous trouve très dur. Il y a trop de situations où le ballon lui reste collé au pied. On a vu Loïc, merci. 82% de pas flop pour Luis Enrique. Allez, 4,5 pour Luis Enrique. Merci Loïc. Du coup, je vois pas Romain quand je parle, c'est perturbant. Merci. Ouais, je suis désolé, les amis. Mais non, moi je suis désolé, je suis sur la même ligne que Jernic. Je trouve qu'on a besoin d'un Aminarit un peu plus propre techniquement que ce soir. Je suis à 3, je lui mets la même note qu'Ailie Manenjay. 3 pour Idriss, 3,5 pour nos lecteurs, 2,5 pour Jernic. C'est en 3 pour Aminarit ce soir. Et j'ai toujours pas le match dont on parlait la dernière fois, Romain, face à Rennes. Oui, dis-moi. Où je te dis le match d'Aminarit, où je dis ce soir c'est son match. Et j'ai toujours pas ce match-là. Clairement. Oui, clairement. Et on est à 7 journées de la fin. C'est un peu bizarre de le voir à 1,5 de Luis Enrique ce soir, mais parce qu'ils font finalement le même match. Hein. Luis Enrique réussit pas grand-chose de décisif non plus, ça tergiverse. Mais je comprends les attentes. Je comprends que les attentes sont pas les mêmes, etc. Le rôle est pas le même aussi. Ouais, pas loin rôle, quand même. Le rôle n'est pas le même. Bon. Ils jouent ailier les deux. Le même poste au coup d'envoi en 4-2-3-1. Mais t'en as un qui a pour seule consigne de débusquer son aile et l'autre qui a pour consigne de faire briller les autres. Donc oui, peut-être. Une consigne est plus difficile que l'autre, mais l'un est bien meilleur que l'autre. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui a... Je débat pas, je suis présentateur. non mais je comprends ce que vous dites aussi les amis. Kondogbia est à 4 de moyenne, 3,5, 3,8, ça fait 4 chez nos lecteurs. Est-ce que c'est votre note pour Geoffrey Kondogbia, messieurs? Non. J'écoute Idriss. Je le mets sur la même ligne que Harit Ndiaye pour des raisons bien différentes et encore je pense même que mon ami à gauche va descendre d'une décimale. Mais je trouve son match scandaleux. On avait besoin d'une équipe qui travaille, d'une équipe de 11 guerriers. C'est vrai que c'est un peu trivial et facile, dit comme ça, mais on avait besoin de 11 hommes qui courent les uns pour les autres. Et malheureusement, ils étaient 10 ce soir sur le terrain. Kondogbia les a un peu lâchés. Donc oui, même la première mi-temps, le bagage technique fait que... Mais non, parce qu'en première mi-temps, regarde, les ballons qu'ils récupèrent, c'est des ballons de Dembélé. C'est quasiment des offrandes. Ah oui, mais d'accord. Mais écoute, moi je suis d'accord, il a plongé totalement, mais je trouve quand même que la première mi-temps était un peu dure. Mais... C'est pour ça que je sauve. Je ne vais pas le mettre à 1 ou quoi, comme on a déjà descendu des matchs bien pires que ça. C'est vrai. Je sauve un peu sa performance sur une certaine qualité technique, sur des petits jeux pour nous sortir du pressing, mais que je le laisse quand même à 3 parce que il a un rôle qui doit être beaucoup plus important que ça. Et je fais mon mea culpa du mois d'août où je disais qu'il allait nous faire oublier Valentin Rongier. Ah oui, oui. 3, 4 pour nos lecteurs. Quelle est ta note déjà, Jernic? Alors moi, je l'avais mis à 3,5 pour être très honnête avec vous. Ben voilà, ça sera parfait alors. Je le trouve bien à 3,5. Je trouve qu'il faut le mettre un petit peu plus que Harit et un petit peu plus que Ndiaye. Mais à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. On est d'accord, il est censé être remis là, Kondogbia. Tout va bien. Tout va bien pour Kondogbia. Vu la taille du strap. Mais à un moment donné, ça fait combien de temps, ça fait combien de mois que le mec il joue strappé, machin et tout? C'est pareil, ça, tu le vois dans les, tu le vois en départ, tu le vois dans les D1, dans de la R3 où c'est des mecs qui sont un peu vieux, ils jouent strappés, ils se donnent pas à fond. Le milieu de terrain, il y en a que deux, il y a Veretout, Kondogbia. Enfin, on va parler de Kondogbia après, mais la différence elle est flagrante. Kondogbia, ok, il est plutôt technique, il fait 2-3 passes, mais il court pas Kondogbia, il court pas parce que le mec il sait que s'il fait une accélération un peu trop puissante, et eh ben sa cuisse ou son genou, je sais pas quoi, ça pète. Donc à un moment donné, quand on est à l'OM, si notre seule option c'est de faire jouer un mec au milieu de terrain titulaire indiscutable, strapper tous les matchs parce qu'il est limite, ben là, une fois encore il y a un vrai problème d'exigence. Ouais, c'est gênant. Il y a un vrai problème d'exigence, donc pour moi c'est 3,5 pour Kondogbia. Mais ouais, lui aussi paye la blessure de Rongier parce que on compte évidemment sur lui puisque c'est logique.
Et il pourrait tourner, mais Onana, par exemple, n'est pas trop là en ce moment. Gay revient à peine, effectivement, vous avez raison. Et en plus, ces deux joueurs-là ne sont pas sur la liste UEFA. D'ailleurs, il faudra qu'on se pose la question de comment on va faire pour aligner une équipe cohérente en UEFA avec la blessure de Mbemba. Mais bon. Ça fait pas mal de temps que des équipes cohérentes, c'est difficile de les poser. Hein, on en parlera vendredi 23h. Si oh, ben contre Villarreal, c'était cohérent. Oui, c'est non, mais Jernic veut dire que tu n'as pas eu une seule fois le 15. Ah oui! Dispo. Ben le 11 joueurs et les 4 remplaçants dispo à 100%, tu les as jamais eu cette saison. Tu as raison. En même temps. Vertu est à 6. C'est ma note Bien aussi. Nick. Je prends la main. C'est ma note aussi. Vertu, on lui enlève un but. Il a été partout. Il a été partout. Vivement que Rongier revienne pour qu'on retrouve notre range-tout. Alors peut-être que ça sera pas avant l'année prochaine, mais avant la saison prochaine, mais vraiment ce joueur-là. Peut-être qu'il n'y aura plus Vertu aussi. J'espère pas, j'espère vraiment pas, parce que c'est le seul joueur pour l'instant, enfin sur ce match-là, c'est un des seuls joueurs qui est digne de ce type d'opposition et qui est peut-être digne d'un Olympique de Marseille qui joue les trois premières places. On va pas dire on joue le titre ou quoi, mais déjà les trois premières six. Places. Donc c'est 6 pour moi, Vertu ce soir. Idriss, même note 6,5. 6,5. C'est de très loin le meilleur Marseille du soir. Ok, ça sera quand même 6 puisqu'il y a les lecteurs qui sont à 6 et ton acolyte Gerny qui est à 6 aussi. On rappelle quand même qu'il touche le poteau en première mi-temps et qu'il marque un but en deuxième mi-temps. Voilà. Ça, et en plus, son match est bon. C'est le moteur de l'équipe, c'est le cœur de l'équipe, ouais, Jordan Veretout. Il est incroyable. Très bien, ça sera 6 et ça sera probablement la meilleure note, hein, je pense. On va voir. D'ailleurs, juste pour finir, une seconde sur Veretout. Désolé. Oui. Désolé, Romain. Un mec comme ça, et comme on l'a dit très justement, Idriss, c'est le cœur de l'équipe. Un petit brassard de capitaine, je pense que ça serait pas volé. En tout cas, quand je vois Kondogbia qu'il a, pour moi, je trouve que ça serait pas volé. Après, et voilà, c'est juste le brassard, c'est un bout de un débat, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Et puis Kondogbia est le troisième capitaine, hein. C'est pas le premier ou le deuxième. Mais je pense qu'il doit, quoi qu'il arrive, Veretout doit être devant Kondogbia. Oui, devant Kondogbia. J'entendais ce débat aussi sur Lopez pendant cette semaine. Bon. J'en ai rien à carrer, c'est un bout de tissu ce truc, je m'en fous. Mais alors... Dis-moi la note pour Gueye alors, si tu t'en fous pas de ça. Pour Pape Gueye, je le mets à 5, moi, je trouvais son entrée très 5, bien. 5, c'est bien, hein. Je pense qu'on est d'accord. Il est vite passé en défense centrale, mais ça l'a pas empêché de venir monter, d'essayer de tirer la sonnette d'alarme. Dès qu'il prenait le ballon, ben c'est bizarre, mais lui il allait vers la cage. Je sais que c'est un concept un peu fou, mais il essayait de trouver la cage avec ses déchets, ses problèmes, ses défauts. On le connaît, Pape Gueye. Mais bon, j'ai trouvé son entrée très très bien dans l'esprit. Donc, c'est cohérent. Très content de le revoir remonter à ce niveau-là. 5 aussi, Jarnik, ça te va? Je suis d'accord, je regrette juste du coup, l'entrée d'Ounaï. Parce qu'en fait, si Sparania il rentre à la place d'Ounaï, Sparania il reste en défense centrale. Et Gueye plus haut, c'est plus physique et ça peut. Par rapport à Ounaï, déjà, rien que sur l'action, je suis sûr que Gueye, il n'y a pas contre-attaque, déjà. Et voilà, je regrette ce choix tactique de Monsieur Gassé. Correa n'est pas rentré non plus, c'est vrai que... Ça, c'est un bon choix, par contre. Ça, c'est pas grave. Hein. Bah, sur les 10 dernières minutes à la place d'Enrique, moi, je l'aurais fait, mais après, non, chacun son... Non, ce serait claqué. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Ce serait claqué. on finit avec donc la défense, les amis, les latéraux déjà. On va commencer par le match de Garcia qui est pas si mal sur son match. Je sais pas, vous l'avez vu beaucoup, Mbappé? Il a pas joué, Mbappé. Est-ce que c'est à son crédit, Romain? Là, tu pousses un peu le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais c'est quand même pas si mal. C'est pas mauvais, c'est 5. En fait, pour moi, c'est flop aussi, parce que je suis désolé. Alors peut-être que défensivement, il ne s'est pas trop fait avoir, même s'il s'est pris 2-3 grands ponts. Ok, pourquoi pas. Mais alors offensivement, combien de centres il a fait? Il n'y en a pas un qui est arrivé. À un moment donné, j'étais avec Loïc et Benoît pour regarder le match. Je me suis dit, à un moment donné, parce qu'il a fait un centre pas trop mal pied droit. Je me suis dit, mais en fait, il n'est pas gaucher, il est droitier. Tous les centres qu'il a fait, c'est soit 6 mètres, soit dans les bras du gardien. Ouais, les centres, c'est incroyable. C'est pas normal. Ouais, c'est, pour un latéral, c'est pas normal. Donc pour moi, c'est flop ce soir, Garcia. Puis bon, il a quand même raté pas mal de contrôle, tout ça. C'est pas catastrophique, mais une fois encore, pour moi, on abaisse trop le degré d'exigence, quoi. C'est pas Quelle possible. Quelle est ta note? 4. Jernic m'a convaincu, 4 aussi. Ça sera 4 alors, puisque vous donniez 4,5, cher lecteur. Mais vous le savez, vous le voyez, ce soir, il y a 3 votants, vous, Jernic et Idriss. Et c'est la majorité qui l'emporte. Merlin est à 4 aussi, je suppose. Oui. Moi, c'est 4.
Pas plus à dire, je te laisse parler sur Merlin. Non, 5 pour Merlin. À part sur le premier but où il anticipe un peu trop vite. Et franchement, j'ai pas envie d'en vouloir à un joueur de vouloir y aller à fond comme ça, parce que sinon c'est un 3 contre 3 à gérer. C'est sûr que c'est plus facile à gérer, mais au moins il a eu le mérite de tenter. Je trouve que son match est très bien, je trouve qu'il progresse défensivement. Il n'a pas pris autant la tempête que ça sur Kolo Muani, c'est pas pour rien qu'il sort. Kanginli a fait une bonne entrée, mais au final il s'est vite parti de l'autre côté. En deuxième mi-temps, il n'avait pas eu grand chose à faire. Offensivement, il a multiplié les appels, il n'a pas toujours été servi. Techniquement, j'ai trouvé très bien la petite passe pour Harit, quand Harit essaye de frapper au premier poteau et que c'est le pied de Donnarumma qui arrête. Je trouve que son match est positif, c'est pas fou. Je vais être à 5, mais je le trouve vraiment loin d'être en dessous de la moyenne. Bon, ça sera un 4,5 du coup, puisque 2-4 et un... Attends. Oui, ouais, 2-4 et un 5, c'est ça. Allez, les centraux, alors déjà, Chancel... Chancel avance à sortir, c'est 7. Hein. Eh ben oui, donc on note son match, du coup c'est 7. C'est 7, hein. C'est un 7. Il était sur Mbappé. Si on n'a pas vu Mbappé, c'est plus au crédit de Chancel que Ulysse Romain. Il y a même une action où Ulysse Garcia perd son duel, où Mbappé le lui fait sa feinte. Et Ulysse Garcia dit à Mbemba, prends-le. Et Ulysse Garcia va sur Dembélé qui avait fait l'appel dans l'axe. C'est clairement Mbemba qui était sur lui. Et bon, même si Mbappé n'a pas fait non plus, n'a pas sorti le costard 3 pièces comme il avait fait l'an dernier. Mais Mbemba, il fait un très bon match. Même balle au pied dans la gestion du tempo, il a joué comme un 6. Dans le dire, non, là on calme. Là on accélère. Là on calme. Il est parfait aujourd'hui. Je vais même aller plus loin. Est-ce que sa sortie ne nous pénalise pas aussi totalement sur la deuxième mi-temps? Ah oui, mais c'est mais sûr. Mais même dans notre animation offensive. Oui. Quand tu vois ce que Gigot fait avec le ballon, balle au pied, évidemment que ça change beaucoup de choses. Donc après, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Il ne s'est pas blessé, c'est pas un contact où l'arbitre aurait pu mettre rouge à un joueur ou quoi. Il s'est blessé tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, malheureusement. C'est le destin. On l'a vu l'action de la blessure ou pas? Non, moi, je l'ai pas vu. On le voit juste tomber. Et se lâcher. Mais donc, moi, je le mets en top. Mais bon, il n'a pas fini le match, donc c'est 7. Mais pourquoi pas? Moi, je mets 7. Après, je suis prêt à écouter ce que vous avez à rajouter. Jernic. Comme doléance. C'est vrai que. Alors, moi, pour le coup, j'étais à 5,5 au départ. Maintenant, j'ai entendu Idriss. J'ai du mal à mettre un joueur en top ce soir. Maintenant, la réalité, c'est que quand il est sorti, il y avait 0-0, mine de rien. Il y avait l'opportunité de gagner. Donc, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher sur ce match. Donc, ça serait dur, effectivement, de trop le punir. Je le mets à 6,5, je suis désolé, je peux pas le mettre en top. Mais je mettrai pas de joueur top, ce soir. Mais voilà, je vais le monter à 6,5 parce que j'étais quand même à 5,5 et j'ai entendu Idriss et ses arguments m'ont touché. 5,5, 6,5, 7, ça fait 6,5 du coup. Ça fait 6,33 bien sûr les matheux, mais c'est 6,5 du coup. Balerdi, 5,5. 6. Ouais, sur la même lignée qu'Mbemba, en moins impressionnant, donc c'est un de moins, mais c'est très bien, donc c'est 6. Ouais, et puis c'est passé un petit peu souvent, il y a les 2-3 fois où ça s'est fait transpercer en première, c'est un peu dans sa zone. Bon. Après, bon, se faire dribbler par Ousmane Dembélé, ça arrive à des gens très bien. Non, je parle pas de ce dribble, je parle, tu vois, il y a un 1-2 à un moment où Kolo Muani, c'est l'action où Lopez sort, oui, par oui, exemple. Oui. Bon, ça va, c'est pas très non, grave. Non, mais il fait un bon match. Et son jeu long des 15 premières minutes nous a fait beaucoup de bien aussi. Bah, Bilal a soulevé la table sans les mains sur 2-3 transversales, hein, si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'image. Bonjour à tous, merci Idriss. En plus, il venait de manger, donc il était vraiment en forme. Ah, il était bien. Requinqué. Donc ça sera combien alors? Moi, j'ai mis 6. Ouais, 6, moi Jernic. Ça me paraît bien. Ouais, 6, juste ça un petit peu en dessous d'Mbemba. La même note que Veretout, c'est très bien. Ça sera 6 et Lopez 4,5, ça vous va? Oh, que non! Ah non, c'est 4 pour Lopez, rien que pour le deuxième but. Tu peux pas rester dans tes 6 mètres alors que le mec arrive lancé sur toi. Il faut essayer de lui fermer l'angle. Ah non, j'en ai marre. Je suis focalisé sur Enrique, mais. Ah non, on a la même action qu'à l'Ajax où, rappelle-toi, Borges, là, il fait 80 mètres avec le ballon, il reste sur sa ligne. Tu dois au moins fermer ton angle. Au mieux, tu te fais dribbler.
Et tu espères que le mec il rate son dribble et le ballon sort en 6 mètres. Mais au moins tu essaies de lui rendre la tâche. Comment tu expliques qu'il ne sorte pas sur ses ballons? Il y en a même une en première. Attends, il y en a même une en première. Je ne sais pas si tu la vois, Idriss. Oui. C'est un ballon un peu en profondeur. Je crois que c'est pour Hakimi, non? Ou c'est Hakimi qui la donne. Et il n'y va pas. C'est Colomwani qui centre en retrait. Colomwani au final. Qui centre en retrait. Et c'est Mbemba qui la sort à la poitrine. Exactement. Ou en se jetant. Et sur celle-là, il doit sortir tous les jours. Il ne sort jamais de ses 6 mètres et j'ai aucun autre argument plausible que la peur. J'ai l'impression qu'il se chie dessus, Paul Lopez, je m'excuserai l'expression. Mais oui. On fait attention. Hein. Du moment que Gonçalo Ramos, sur le deuxième but, arrive là, il est à l'entrée de la surface, sort, tu fais 3 pas de plus. Il a toujours l'angle ouvert, il peut quand même le mettre le but, mais au moins tu installes le doute dans sa tête. Comme je te dis, au pire, il tente le dribble. Et sur le dribble, il peut le rater, il va en 6 mètres, il y a un défenseur qui revient, mais au moins il s'écarte de la zone de but là en ne sortant pas. Tu lui donnes tout le loisir. Je pourrais dire la même chose sur le but de Vitinha. Bon, après, il pouvait peut-être penser en que... Après, il a peut-être pensé qu'Enrique allait intervenir non, aussi. Non, c'est scandaleux. Pas, bon. C'est scandaleux complet. Il a fait un arrêt dans le match. Je vais le laisser à 4 parce que je ne vais pas parler sous le coup de la colère, mais franchement, il m'a énervé. Jean-Luc. Il y a quand même cette sortie du coup, qu'il fait en première mi-temps. Il sort sur Dembélé. Un peu à contre-temps, mais il finit par sortir. En tout cas, il sort, donc c'est une fois encore. Je n'arrive pas à le comprendre, ce mec. Autant il parle bien, machin, tout ça, c'est bien dans ce qu'il fait dans les médias, ce qu'il dit, mais autant son rôle, c'est pas consultant prime, c'est gardien de but. Et une fois encore, c'est pas un mec qui me fait rêver. Il y a le deux frappes, ouais, deux buts, on se dit ouais, il peut rien faire. Mais tu vois la frappe de l'arrêt de Donnarumma sur Harit, on s'énerve sur Harit, mais il se jette Donnarumma et il arrête, tu vois. Donc c'est un mec, c'est l'eau tiède en fait, Paul Lopez. C'est l'eau tiède, tu sais. Peut-être pas si tu que vas si dans Harit à toutes ses frappes cette saison avait trouvé Lopez en face, aurait mis plus de buts. Faudrait du coup, si on veut mettre des buts avec Harit, faudrait que Lopez change de club. Non, mais on plaisante évidemment. Bien sûr, donc du coup, j'étais à 4,5, mais une fois encore, Idriss m'a convaincu, je descends à 4. Et dans le chat, on a un copain qui nous dit, je dirais pas son pseudo, tiens. Toute quête. Ok, bon, pourquoi pas. Je l'ai lu finalement. Il peut jamais rien faire. C'est vrai qu'on dit toujours ça. Ah, il peut rien faire. Oui, mais il le dit avec ironie. Il a mis un petit emoji derrière, c'était de l'ironie. Oui, alors, oui, je sais. Mais nous, on dit toujours, souvent, dans nos analyses d'après-match, ah, sur ce but, il peut rien faire. Bah, parce que en fait, on a pris l'habitude. Cette saison. Il y a un gardien, alors, qui a perdu 2-0 cet après-midi, hein, mais qui jouait à l'OM il n'y a pas si longtemps et qui a fait des parades encore incroyables. Alors, bien sûr, il se trouve de temps en temps. Mais une fois encore, l'OM, c'est quoi? C'est l'émotion. Ce mec-là ne m'apporte rien. Il ne m'apporte pas d'émotion. Quelle est ta note? J'ai pas entendu, du coup. 4. Mais ça sera 4 pour Paul Lopez. Merci, messieurs. On a fini. Ah non, Gigot. Gigot est à 4 aussi. Ça vous va? Vérité. Oui. Allez. Bon, ok. Bah, le foot, ça se joue avec les pieds aussi. Hein. Et Gigot va devoir jouer tous les matchs qu'à la fin de saison. Écoute, tant s'il bien. Peut. On n'a plus que lui et Balerdi. Imagine, c'est son métier. S'il peut. Non, juste imagine. C'était si mauvais. Oui. Moi, je le mets à 4 parce qu'il n'est pas si. Voilà. Cette fois-ci, il a raté des choses. Mais bon, qui c'est qui se prend une patate dans la tête sur l'action où on est dangereux? C'est lui qui est là, qui a la tête. Si c'est l'inverse, on peut se poser la question s'il y a pénalty ou non. Si c'est l'inverse, si c'est le joueur qui rentre dans le gardien, l'arbitre il siffle quoi? Il siffle faute de l'attaquant. Hein. Alors, le truc, c'est qu'il Gigot, il touche la caresse. Tête. Il a, bon. Gigot, il touche la. Ouais, mais il rentre complet dedans, même dans le corps. Peut-être sur la main, oui, il le touche à la tête. Il lui rentre complet dans le corps. Je suis désolé, c'est contact. Il est en retard du ballon. C'est pénalty pour moi. Peut-être. Bon, de toute façon. Justement, l'arbitre, les amis, combien vous lui donnez à Benoît Bastien ce soir? 7. J'ai pas grand-chose à dire, moi, sur son arbitrage. Il a été plutôt pas mal. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, c'est 4, Benoît Bastien. Il a quand même été sauvé par M. Pignard. Hein, parce que il va y avoir une polémique. Hein, ce soir, il va y avoir une polémique sur le rouge, pas le rouge. Non, ils ont gagné. Bien sûr qu'il y aura une polémique, ça va en parler. Mais le problème, c'est pas qu'ils mettent rouge. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas jaune, en fait. Contre-attaque, il ne peut pas ne pas mettre jaune. Donc, M. Pignard, il trouve une excuse pour dire « Ouais, c'est le dernier défenseur, donc on peut appeler la VAR pour qu'il mette un rouge. » Ça se joue à quelques centimètres, mais c'est une fois encore une erreur grossière de M. Bastien. Et pour moi, il y a un oubli de pénalty sur Gigot. Donc pour moi, c'est 4.
C'est 4. Et en plus, il oublie Mbemba. Il voit que Mbemba est blessé et le ballon, il est avant la moitié de terrain marseillaise. Il voit Mbemba blessé et il laisse l'action se poursuivre. Il n'arrête pas le jeu. Et ça peut nous coûter un but aussi. Donc bon. moi, c'est 4. D'accord. C'est 4 pour Bastien ce soir. 5,5 du coup pour Benoît Bastien. Le match, si on est neutre, moi, j'ai pas trop trouvé ça foufou. Mais... 5. Ouais, 5. Okay. Et le match. Et on finit par Loulou Gassé quand même. 6. 4. L'approche est très bonne. Les changements, j'aurais fait exactement les mêmes avec les circonstances qu'il y a eu. Au moment où il les a fait. Donc écoute, je peux pas lui en vouloir. 6,5 moi. 4, l'approche est bonne, je suis d'accord avec Idriss, mais il se trompe sur l'attaquant et je suis convaincu que ça change beaucoup de choses ce soir si Moumbagna commence le match à la place d'Ndiaye. Ou d'Enrique. Après, voilà, ou d'Enrique éventuellement. Et après, je pense qu'il y a un manque d'inspiration quand il reste une salve de changement et que tu fais rentrer juste Unai pour Balerdi, fais rentrer un deuxième joueur, tente quelque chose. Donc c'est pour ça que je reste à 4. Et Correa ? Ouais, mais peu importe. Qui tu veux, tente un truc, tu perds. Merci messieurs. J'espère que malgré tout, on va passer une bonne soirée ensemble. L'OM n'a plus marqué dans un classique au Vélodrome en championnat depuis 2017. Je sais pas si vous aviez vu cette statistique. Bon, on nous enlève la vue, c'est pas la première fois. Oui, mais Stroutman 2019. Voilà, exactement. Donc si quand on marque, on n'en marque pas. Milik aussi. Rappelle-toi le hors-jeu de Sampaoli. Bref, si même quand on arrive à marquer, on nous enlève des buts qui sont... On s'y habitue, hein, dans les classiques, aux buts refusés bizarres. Benedetto, aussi, à Paris, par exemple. On avait gagné ce jour-là. Oui, oui, mais bon, on nous avait quand même enlevé un but bizarre. On dira ça comme ça. Merci, messieurs. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie ce soir. Merci à Bilal, qui a fait les trois premières heures avec nous également. Merci à Romain Canucci depuis le stade Vélodrome. Merci à Loïc Lachaud. Et à Benoît pour leur participation à cette émission, le premier à la mi-temps et le deuxième à la mi-temps et puis le premier à la réalisation. Voilà, merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Moi je vous retrouve pour Benfica, parce que je suis pas là la semaine prochaine. Forfait. Forfait. Voyage. Pas qualifié. Très bien. Merci de me le rappeler. Le match aller, hein, tu seras là. Je rate que Lille. Très bien, mais je vais même te faire une annonce, on sera tous les deux côte à côte ce soir. Ah mon Romain, voilà. Il est de retour. On vivra ce match quart de finale aller, on espère. Allez, on va être bien. Parce qu'il y a grand chose d'autre. On va jouer l'objectif 7ème place de Jernic pour pouvoir chanter oh 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 oh, oh, oh la saison prochaine et avoir un coefficient UEFA qui chute pas dans les 5 prochaines années. Je vous souhaite une belle soirée, voilà. On va continuer cette discussion entre nous, ça nous porte très intéressant. Merci pour votre fidélité, je le disais, et à demain pour l'OM au café ainsi que le talk show qui promettent vraiment d'être sympathiques dans l'analyse, et on se projettera bien sûr évidemment sur la suite. Je vous souhaite une belle soirée et merci encore pour votre fidélité. Ciao.